Alors, coucou, coucou à tous, bienvenue, c'est Algérien dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle recette de cake. Je vais faire ça à l'ananas, mais vous pouvez prendre n'importe quel fruit que vous voulez. Donc, moi, je vais faire ça à l'ananas. Donc, je vous donne les ingrédients et on attaque juste après. Donc, là, il me faut 4 citrons, 150 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure donc chimique. Là, j'ai 100 g de maïzena, 200 g de farine. J'ai pris voilà, un zeste de citron comme ça que j'ai voilà, râpé. Là, il me faut 150 ml d'huile et 150 ml de yaourt blanc. Donc, vu que 150 ml d'huile, ça m'a fait à peu près jusqu'à là. Donc, j'ai pris le même repérage pour mettre voilà, mon yaourt. Et une pincée de sel, bien sûr. Donc là, moi, je vais faire ça au robot, comme vous pouvez le voir. Il est juste là. Donc, on est parti. Go! Donc moi je vais faire ça au robot, mais vous pouvez très bien faire au mixeur à la main, normal. Donc on va commencer par casser nos œufs. Bismillah. Donc 4 œufs. Hop là. Une pincée de sel. Le sucre vanillé. Et le sucre normal. Et on va mettre ça en route histoire de blanchir tout ça. Allez, go! Une fois qu'on a bien fait blanchir tout ça, comme vous pouvez le voir, c'est bien blanc. Voilà. Donc là, je vais rajouter l'huile et le yaourt et je remélange. Donc juste l'huile et le yaourt et on remélange. J'ai mis l'huile yaourt, je vais rajouter donc les zestes de citron. Après, vous pouvez prendre le zeste d'orange. Ou... Mais je trouve que le zeste de citron, ça donne mieux dans les cakes comme ça. On mélange un peu. Donc, et là, il me reste plus que la maïzena. Donc, je vais tout mettre. Maïzena, levure chimique. Et puis nos 200 g de farine. Donc il ne nous reste plus que ça. Donc je mets tout ça, je mélange et mon mélange pour le cake, il sera prêt. Et voilà, comme vous pouvez le voir, donc mon mélange, il est bien, il est nickel. Mélange de cake, quoi, normal. Donc là, on va passer à la dernière étape. Voilà. Alors, donc là, je reviens avec mon grand moule. Donc, je l'ai beurré en bas et sur les côtés. J'ai mis du papier cuisson, comme vous pouvez le voir. Voilà. Moi, je vais utiliser des ananas. Donc, on va commencer. Donc, j'ai pris des ananas coupés comme ça, comme ceci. Et là, on va les placer. Donc, je les place. Vous pouvez prendre des pêches, des pommes, des poires. Enfin, voilà. Vraiment le fruit que vous voulez. Personnellement, j'ai pris ananas. Parce qu'après, j'avais que ça. Sinon, voilà, en boîte de conserve, j'avais que ça. Donc, je mets mes ananas comme ceci. Là, il va me falloir 12 tranches pour mon moule. Donc, il est vraiment grand. Ça doit être un 30 cm, je pense. Une fois qu'on a placé nos ananas comme ça, donc on va prendre notre mélange et on va bien verser par-dessus. On essaie de bien mettre dans les coins, dans les trous de l'ananas, etc. Vraiment partout. Donc vous mettez bien. Vous préchauffez votre four à 180 degrés et on va enfourner ça pendant une bonne demi-heure. Donc attention de bien y aller dans les coins, de bien en mettre partout. Voilà. C'est vraiment important d'en mettre partout, partout. Et voilà, donc j'en ai mis vraiment partout, comme vous pouvez le voir. Donc là, je vais enfourner à 180 degrés pendant une bonne trentaine de minutes. J'aime bien quand c'est bien cuit. Moi,
Donc les gâteaux comme ça. Allez, à tout à l'heure dans 30 minutes. Et voilà, après une bonne, enfin une trentaine de minutes à peu près. Donc je regardais la dorure, juste magnifique. Donc là, je vais enlever. Moi, c'est un moule à charnière. Donc je vais essayer d'enlever. Et puis ensuite, je vais le retourner pour en fait le côté ananas qui est en bas. Donc moi, je veux l'autre côté. Donc là, je vais le retourner sur mon autre plat que j'ai préparé. Voilà, donc j'ai juste à mettre ça par-dessus et à retourner. Comme ceci. Et on va enlever cette partie-là. Voilà. C'est perfecto. Hop là. Et là, je vais enlever mon papier cuisson. Tout doucement. Tout doucement. En fait, il faut l'enlever tant que c'est chaud. Après, ça a plus de... ouais, c'est plus facile à l'enlever tant que c'est chaud qu'après. Mais il faut essayer de bien l'enlever proprement. Voilà. Bon, j'aurais bien voulu qu'il soit encore un peu plus doré au niveau de là, mais c'est pas grave. Donc là, c'est bon. Ensuite, vous prenez de la confiture d'abricot et tant que c'est chaud, vous venez en mettre partout. Donc ça va, voilà, fondre automatiquement vu que c'est chaud pour apporter de la brillance à notre gâteau. Donc là, je mets un petit peu partout. Donc là, j'ai étalé partout. Vous voyez, là, c'est du pralin, on va dire. Si vous avez des noix ou des amandes concassées, vous pouvez. Et vous mettez, en fait, là où il n'y a pas d'ananas. Donc, ça veut dire qu'on va faire un peu le contour. Voilà. Donc, ça va nous faire un petit peu le contour de l'ananas. Mais vraiment là où il n'y a pas d'ananas. Hein, ok? Donc une fois que j'ai décoré tout donc mon gâteau, même sur les côtés j'ai mis du truc concassé. Donc là je vais prendre des bigarreaux comme ça pour juste décorer en fait le milieu de chaque ananas que j'ai. Donc ça fera plus joli. Voilà, juste donner un coup de peps à notre gâteau. Voilà, donc je fais ça pour tout. Et voilà, donc le petit gâteau à l'ananas, c'est prêt. Donc super facile à faire, il n'y a rien de compliqué. Je vais vous couper une part pour vous montrer le résultat. Mais en tout cas, c'est juste top. Je l'ai bien laissé cuire juste au-dessus. Mais bon, ça c'est la... Si, pas grave, ça fait bien. Donc vous pouvez décorer comme moi ou d'autres décorations. Vous pouvez faire aux pommes et mettre de la crème pâtissière aussi, ça passe super bien. Donc voilà, je vais vous poster la recette comme d'habitude. Et voilà, donc le gâteau, il est prêt, super simple à faire, rien de compliqué, vous pouvez prendre n'importe quel fruit. Ce que j'aime bien en fait dans les parts comme ça, ananas, c'est qu'en fait, ben, chacun sa part avec une ananas, donc c'est plus joli, puis c'est plus pratique pour couper en fait. Voilà, donc là, je vais vous couper une petite part pour vous montrer l'intérieur. Et voilà, ça se coupe super bien, c'est extra moelleux, super bien présenté. Voilà, moi je trouve que c'est plus beau avec un ananas. Comme je dis, chacun sa part. Et voilà, le tour est joué.